faire monter la sauce un peu là. Bougama. Bougama. C'est pas ça, m'ont rien donné. Leur industrie, gros, je vais braquer. J'arrive, je vais mettre le paquet. Ils verront de quoi je suis capable. Vas-y, reprends ton palais. Je suis pas là pour faire ton ménage. Fils de, y'a pas de pitié. C'est nous les potes, demande à mon gars. On arrive tous défoncés. C'est la folie, on fout la merde. Sur l'échange, je mets le paquet. Me retiens pas, je vais tous les faire. Je vis ma vie, je veux du fric, je veux du buzz. Bougama. Je suis en ville, sur les champs devant le club. Bougama. Je vis ma vie, je veux du fric, je veux du buzz. Bougama. Je suis en ville, sur les champs devant le club. Oh, t'es mal la face, regarde, écoute ça mon gars, regarde, regarde. Ouais, ouais, je t'ai fait un saut à terre avec ton pécaré, tu vas tirer en l'air. Il va... Quoi? Continue, wesh. Tu rigoles. Elle pue la merde ta phrase, gros. Eh, ça pue la merde. Eh, tu sais quoi, resserre-moi du ice tea, s'il te plaît. J'ai grave soif. Eh, j'ai grave soif. Oh, t'es un ouf, toi. Moi, là, j'ai pas d'aspi du tout. Hein. T'en as déjà eu, même? Bah ouais. Donc, voici la cuisine. N'hésitez pas, hein, si vous avez un problème. Y'a pas de soucis, très bien. Merci. Wesh! Bonjour les garçons! Salut boss! Mais vous faites quoi là? Bah on est en pause déjeuner. Il est 9h du matin. Bah justement, c'est la pause petit déjeuner. Ok, bon bah bon appétit alors. Merci. Excusez-moi boss pour le retard, c'est juste qu'il y a un plus jeune qui est mort, j'ai fait oh! Ok, c'est pas grave, il va dans, t'inquiète. Madame Laurent? Oui? C'est bon, j'ai vu ce qu'il y a à faire. Ok. Donc je vais repasser cet après-midi. D'accord, Théo, fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Tu es sexy aujourd'hui. C'est l'American Style. Ouais, les gars, tranquille ou quoi? Elle a quoi la bourse aujourd'hui? En plus, c'est Marine du boulot en retard. Non, mais j'avoue, elle est pas comme d'habitude en ce moment. Bah, c'est parce que je lui ai fait du sale. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Bah, j'ai protégé la pièce contre les mauvaises ondes. Aujourd'hui, il pourra rien nous arriver, les gars. Et tout ça, c'est grâce à ça. Ouais, c'est une Marocaine qui me l'a vendu pour une modique somme. En fait, les gens qui sentent cette odeur, ils peuvent rien nous refuser. Et je compte bien sur ça pour nous obtenir un petit contrat en or, si tu vois ce que je veux dire. Et peut-être plus si affinité. Ça va, les garçons? Didou, je vais te parler, mais je sais pas si je peux le faire devant tout le monde. Oh, mais tu sais, tu peux tout me dire, hein, Didina. Mais tu sais quoi, c'est mieux qu'on se voit en dehors du travail. Eh bah, carrément, mais... T'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Moi, je suis... Eh mec, tu devais être ok. Qu'est-ce que tu racontes, toi? MDR, c'est quoi? Vas-y, prends ton chiffon et va essayer ton parfum sur les vitres, on verra si ça va briller. Eh mais les gars, je vous dis que ça marche. C'est juste que j'en ai pas mis assez, c'est tout. Il s'est fait niquer. T'as vu comment elle était à fond sur toi, Titi? Elle était à fond de rien du tout. En plus, j'ai presque cru à son truc là. Le pire, c'est qu'il me croit vraiment. Mais vas-y, aide-moi à porter. Elle me croyait pas, y'a pas de soucis. Ouais, c'est bon, j'arrive. Oui, bonjour. J'ai rendez-vous avec Nilouane Laurent. Ouh, je suis bien chez Black Egg. Oui, bonjour. Désolé. Wow. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. Hé, hey, Stony. Hé, hey, coucou ma belle. Comment ça va? Ah, ça va et toi? Ça va. Alors, depuis la soirée des mains... Oulala, là là, ça va beaucoup mieux, madame. Ah, d'accord. Attends, mais vous vous connaissez? Mais oui, Stony, c'est la famille. Allez, oui. Viens avec moi dans le vas-y, bureau. Vas-y, ma chérie. T'as pas quelque chose à faire, toi, au lieu de rester planté là? Mais... Enfin bon, comment vas-tu, ma chérie? Ça va? Ah ouais, vrai bail, chacal. Je kiffe trop comment elle chante. Elle est trop sexy. J'ai jamais vu une bosse comme ça. Hein? Une bosse? Une bosse? Bah ouais. Attends, de qui tu parles toi? Minouette. T'es sérieux là? Mais attends, moi je te parlais de Stony. Mais les gars, moi je veux parler de Didina là en fait. Quoi? T'es encore sur ça? Mais t'es trop à l'ancienne toi, laisse tomber. Je te jure, c'est la bonne, faut que je la présente à Yema. Quoi? Ah, non, rien. Eh hey, gros, toi t'es trop piqué, c'est ça ton problème. Eh, hey, tu sais, une meuf comme ça là. C'est pas comme ça qu'il faut la gérer. Faut lui envoyer des paillettes dans la vie. Des paillettes? Attends, tu dis ça, mais est-ce que t'as déjà géré des meufs? Eh, déjà, niveau amour, je te mets à l'amende, toi et lui réunis. Attends, qui, moi? Mais il dit sérieux, là? Tu l'as déjà fait avec une meuf? Lui là? Je parie que. Il est puissant. Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Je suis pas puissant. Hein?
Tu vois, déjà, juste un peu. Tu vois la chanteuse qui est là, là. Parce qu'ils sont vraiment cons. Ouais. Et je prends son numéro quand je veux. 10 balles, tu la prends pas. Ah ouais, vous voulez prendre les paris avec moi? Merci. Bah vas-y, c'est parti, frérot. Tu mets combien, toi? Moi, je mets 4,50€. Mais dans le moment, il y a un problème au studio avec la gérante du son. Il faut que vous veniez d'urgence. Ah, putain, c'est... Je suis désolée, hein, ma belle. Non, reviens, on se revient dans 5 petites minutes. Je gère ça et vas-y, y a pas de soucis. Allez, je vais vous ruiner, les mecs. Bonjour. Bonjour. Désolé de vous dire. Non, on a dit que vous avez des studios d'enregistrement. Oh le con. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah merci. Ouais, attends, attends. Mais du coup, le ménage c'est ma passion. D'accord. Voilà, le truc c'est vraiment un truc voilà, qui me... Attends, il fait quoi? Regarde, il lui sourit. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Il est... Oh l'ouf. Je me suis dit peut-être, pourquoi pas, vous me donnez votre numéro de téléphone. Ok, je vous pas de soucis. Il est trop chaud. Mais elle est en train d'écrire là. Elle lui prend son numéro! Ça marche vraiment ça? C'est très bien. Par ici la monnaie, les mecs? Hein? Alors? C'est qui le plus sourd? Hein? Hey, les gars, vous êtes pas prêts? Ce soir, ça va être chaud! Ça va être un clip de zouk, les gars! Mais moi aussi, je vais venir! Mais t'es un ouf, toi, t'es pas prêt! Elle laisse ça! Gros, là, ça va être pour les grandes personnes ce qui va se passer ce soir. On va le faire partout! Elle m'a dit qu'elle a un grand lit. Gros jacuzzi, t'as capté? Je vais être son slide. Et crois-moi, c'est elle qui va chanter. Ne rentre pas chez toi ce soir. Elle est derrière moi, c'est ça? Stony! Ça n'a rien à voir en fait. J'ai une amie qui s'appelle Stony aussi, comme par hasard. Et je dois aller chez elle après. Enfin, c'est marrant en plus. Tu sais quoi? Je trouve que t'as un truc de spécial de toute façon. Sérieux? Oh oui, mon coco. Tu sens tellement bon. Les gars, je crois que ça marche. Coucou les garçons. Oh, t'es bon, mais qu'est-ce que t'es beau. C'était joli. Eh, masse plus fort, ma petite bitch. Ok. J'aime trop quand tu m'insultes. Tu peux recommencer encore? T'es trop sexy. Oh les gars, tu sens trop bon. Oh, ça marche. On est au top, les mecs, ça marche! T'as jamais remarqué qu'Enzo il était beau? Tu trouves pas beau? T'as vu? Ah, mais il est grave, vraiment trop mignon! Ouais, vas-y! Oh, quand? Enzo, oh! Eh, mais vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Eh, doucement, on était bien là! Eh, mais... arrêtez! Arrêtez, les mecs! Arrêtez! Je suis ma vie, je veux du fric, je veux du bête. Je suis en ville sur les champs devant le club.